se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu plein de courriers et que je suis en retard dans l'ouverture des courriers. Donc, on va commencer par le premier que j'attrape, c'est-à-dire celui de Delphine. Donc, hop, j'essaye de ne pas me mettre devant pour que vous ne voyez pas les adresses, n'est-ce pas? Oula, tout ça? C'est quoi tout ça? Et pourquoi tout ça déjà, hein? Pas d'échange en cours, je crois. Oh, c'est pas fini. Ah, ça y est. Je vais mettre ça par là. Alors, c'est quoi tout ça? Oh, oh c'est joli ça. Ça se... Oh, c'est marrant ça. Voilà, donc on a un joli petit... J'adore ta perle là. Une jolie petite pompier, on va dire. Je vais pouvoir mettre dans mon bullet ou dans mon carnet spécial YouTube. Avec une petite pochette, donc avec free drink. Oh, moi je veux du champagne. J'ai un bon pour aller au cirque et un autre pour aller au cirque. Voilà. Donc je peux boire et aller au cirque. Impeccable. Hop. Donc ça, même pour un junk. Alors pour l'instant, j'ai pas refait de junk. Donc je ne vais pas pouvoir l'insérer dedans. Mais quand je referai un junk, je le mettrai dedans. Ouais. C'est super mignon. J'aime beaucoup. Ta dentelle, là, elle est super mignonne. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Alors, on doit avoir une carte ici. Hop. Via Airmail par avion. Oh, très belle enveloppe. Très belle enveloppe. Oh, tu l'as fermée en plus. Pourquoi t'as fermé, hein? Alors. Mais fallait pas. Ah non, fallait pas. Je n'envoie pas des courriers pour avoir plein de courriers. Hein. Ah ben non. Mais c'est gentil quand même. Voilà. Alors, je vous le mets comme ça. Voilà. Je continue. Alors là, ça va être un ABC. Oh, j'adore ton truc là. Voyager. Alors, on a Paris. On a plein de petits tamponnages de fond. Un cœur en métal. Une étoile en bois. Et alors là, j'hésite entre du bois et... Ben, je sais pas en fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est super joli. Avec de la dentelle sur les côtés, là, c'est super joli. Alors... Alors, apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Albert Einstein. Apprendre d'hier, d'accord. Vivre pour aujourd'hui, c'est mieux. Et espérer pour demain, l'espoir fait vivre. Par contre, il faudra que je récupère ton timbre, que je le mette là. Et reçu-le. Je mettrai février, parce que je ne sais plus la date exacte. Voilà. Ensuite, il y a une petite pochette. Oh là. Oh là. Oh là là, c'est oh là, c'est quoi tout ça? Oui, c'est quoi tout ça? Voyons voir. Oui, c'est quoi tout ça? Hop, donc, hop. Oh, oh, il est beau le camé là. Il est magnifique, regardez ça. Il est magnifique. J'adore. C'est super mignon. Donc ça fait comme un mini. Et oh, mais il y a plein de choses dans les pochettes. Oh, une étoile. On a quoi ici? Une gomme. Ouais, je pense que c'est une gomme. Et oh, c'est joli. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Alors, on a comme une petite bouteille avec plein de petites étoiles à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mimi. J'adore. J'adore. Et donc, ça fait comme un petit livret. Alors là, il va falloir que je remette quelque chose parce que c'est parti. Voilà. C'est trop mignon. Je refais le petit nœud. Donc, je te remercie beaucoup, Delphine. C'est super gentil de ta part et franchement, il ne fallait pas. Voilà. Mais c'est super mignon. Voilà. Donc, Delphine, je te remercie encore beaucoup, 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 beaucoup. Je te fais d'énormes bisous et je continue. Alors, cette fois-ci, c'est de Valérie. Valérie qui n'est pas si loin que ça de chez moi, d'ailleurs. Parce que Neuchâtel, c'est dans mon coin. Enfin, dans mon coin. Ça doit être à 2 heures, je crois. Quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Ouais, je regarde. Voilà. Faudrait que je regarde. Alors. Oula, il y a beaucoup. Oula, il y a beaucoup. Alors, c'est pour l'échange de mon groupe. Oh, je suis en retard, Valérie. Je suis très, 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 très en retard. Alors, attends, parce que. Voilà. Je suis très, 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 très en retard. Donc, sur mon groupe, on a un échange où il faut préparer un kit anniversaire pour pouvoir préparer une carte et une ATC. Donc, ici, elle m'a mis
plein, plein, plein de choses. Oui, là, bah oui, je vois ça. Hein. Je vois ça. Oh là 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 là. T'es une grande... Oh, c'est trop mignon. T'es une grande malade. Faut le dire. Hein. Il faut le dire. Alors, je commence par la carte. Alors, c'est une carte magique, regardez. Vous voyez, la fleur, elle est en noir et blanc. Et si je fais ça, elle devient en couleur. J'adore. Ça fait longtemps que j'en ai fait une. Il faudrait que je prenne le temps. Alors, elle s'ouvre ou pas? Ah oui. Mais oui, je serai inspirée. Sans problème. Mais oui, on y croit. Donc, j'ai reçu des petites fleurs en laine. Comme ceci. Je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est trop, trop mignon. J'ai reçu donc des petits stickers, mais en 3D, en fait. Ils sont montés en 3D. Donc là, on a les chapeaux d'anniversaire. Là, on a le gâteau, un autre gâteau et le petit dinosaure pour l'anniversaire. Alors, pour tes prochaines créations. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais j'ai peur de tout ouvrir. Allez, on va tenter. J'espère ne rien perdre. Donc là, on va laisser la bougie. Alors, il y a donc il doit y avoir un anniversaire dans le coin. Wish, donc vœux. Je vais la remettre au fur et à mesure, comme ça. On a un petit ruban à pois qui fait un peu des croix, d'ailleurs. Super mignon. Et sur quoi tu l'as mis? Je ne sais pas, mais ça a l'air terrible comme truc. Oui, à regarder ça de plus près. Ensuite, j'ai des bisous. Hop, hop, hop. Smile. Wish. Love. Donc là, on a Happy Birthday. Oh, trop mignon. Hop, Happy Birthday. C'est trop mignon, tes trucs, là. On doit avoir un autre Happy Birthday, là, je pense. Exactement. Ensuite, on a Make. Donc, Make a Wish, c'est faire un vœu. Donc, c'est pour ça qu'il y a le A. Voilà, c'était pour le Make a Wish. Ça, ça doit être sur le Smile. Donc, on a encore un Smile. On a un You. On a le petit chapeau pour faire la fête. On a un autre bisou. Un autre Smile. Hop. Only. Hello. Et une petite étoile. Ensuite, elle m'a fait des tamponnages de cadeaux. Encore des cadeaux. De petits gâteaux. De petits ballons avec les petits chapeaux. Happy birthday. Hop. Un autre happy birthday. D'un ballon. Et encore happy birthday et cadeau. Oh, j'avais pas vu le petit chapeau. Il a failli rester là, le petit chapeau. Un petit chapeau. Voilà. Ensuite, voici le kit. Je t'ai mis plusieurs choses. À toi de créer, amitié Valérie. Alors, à moi de créer. Attention. Qu'est-ce que tu m'as mis? Déjà, avec tout ce que tu m'as mis là, j'ai pas assez. Hein, il me faut quoi de plus? Oula. Alors, nous avons une jolie petite bannière comme ceci. On a ici un petit strass laiton vert. Il est trop beau. Il est trop beau. Un happy birthday en mousse, comme ça. Donc, c'est un peu fit. Si ma mémoire est bonne, c'est comme ça que ça s'appelle. On a du ruban vert. Donc là, c'est vraiment un anniversaire nature. Hein. Enjoy your day. Pareil, sur un sticker puffy. Alors, là, elle m'a mis une espèce de laine toute bizarre, là. J'adore. J'adore, mais elle est toute bizarre. Il faut avoir un filet de pêche. Donc voilà. Super sympa. Je le range. Hop. On a un autre Happy Birthday. On a un très joli ballon en deux parties, en fait. Voilà, on peut soit le mettre tout seul, soit le mettre avec celui-ci. Et on fait un checker. Oh oui, je vois bien un checker, là. Oula. Il faut juste que je regarde si ma mousse 3D est assez fine. Un petit gâteau stickers. Une autre demi-perle qui est super jolie. Un cadeau. Des petits ballons. Un cœur. Elle a pensé à ma base de cartes. Donc une feuille. Une base de cartes. Par contre, la tienne, elle est glacée. C'est marrant, ça. Hop. Et l'enveloppe. Donc impeccable.
Voilà. Et elle m'a remis également ici le kit pour ATC. Mais il y a un fond jaune dans l'autre paquet si tu préfères. D'accord. Donc là, c'est pour l'ATC. Donc ça, c'était pour faire la carte. Et là, elle m'a rajouté des choses pour faire l'ATC. Donc j'ai la base d'ATC, un fond, un autre papier. J'ai le cadeau et le Happy Birthday. J'ai également un Happy Birthday Puffy. Du croquet, je crois que ça s'appelle. Une bougie, le smile, your day, une étoile et un autre petit ballon. Voilà, donc je remets tout et apparemment, elle m'a fait la même chose, mais en jaune. Alors, hop, elle est vivante la pochette. Et donc là, si j'aime pas le vert, elle m'a fait en jaune. Voilà, alors du coup j'ai le même ballon. Ah non, c'est pas le même ballon. Parce que là j'ai Celebrate, le ballon avec les ballons, des ballons, le cadeau, la petite bannière jaune, la base d'ATC jaune, du ruban, mais alors cette fois-ci il est velours, et des petites demi-perles. Elles sont trop belles ces demi-perles, j'adore. J'adore. Elles sont toutes brillantes, elles sont trop belles. Et un bout de ruban comme ceci avec des petites croix. Et j'ai une demi-perle qui est restée accrochée. Voilà. Même pas, c'est des losanges. J'ai dit une bêtise. Donc, j'essaierai de la faire en vidéo. C'est pas gagné. Hein. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas gagné du tout. Donc, Valérie, tu ne t'inquiètes pas. Je prépare les tiens très, très prochainement. Je finissais d'abord un autre échange. Mais comme il est presque fini, je vais pouvoir attaquer l'échange kit. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup Valérie. Hâte de commencer l'échange et de créer avec ce que tu m'as envoyé. Ensuite, ah ben là, je ne sais pas qui c'est. C'est la surprise du jour. Oh, j'ai une petite épingle, mais elle est démontée. Il faut que je la remonte. Comment ça va chez vous? Oh, bah, je vous dirais que ça va plutôt bien. Alors, ah, c'est Evelyne. Donc, c'est le deuxième échange que je dois faire. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est quelqu'un qui s'était rajouté, que j'ai proposé. Oh, je crache. À qui j'ai proposé de faire l'échange avec elle. C'est très printanier, ta carte, là. J'aime beaucoup. On a le sécateur, l'appel, le râteau, là. Tout pour le jardin. Très, très joli. C'est très frais. Donc, c'est le kit pour la carte d'anniversaire. Ah, ben, elle est là, l'autre morceau. L'autre moitié. Ben, voilà. Je vais la mettre de côté. Je vais la réparer après. Parce que le deuxième morceau est tombé dans mon pot, là. Allez, viens ici, donc. Ah, voilà. Je le réparerai après. Donc, elle m'a préparé. Qu'est-ce qu'elle m'a fait de beau? Une base de cartes. Donc, déjà, ce ne sera pas la même. Impeccable. J'aurai vraiment deux créas totalement différentes. Là, on est plus sur du violet, un peu shabby. Oh, j'aime beaucoup ce papier. Il est magnifique, ton papier. Ah, puis tu l'as mis en... Oh, il est beau. Les postières de lettres sur Lot. Oh, ça vient d'un magazine. Oh, j'adore l'idée. Très beau papier. Voilà. Donc là, on est plus sur les tons. Alors, on passe du vert jaune au violet. Très, très joli papier. Je vais m'éclater. Donc, ensuite, à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pour la carte. Hein. Et à l'intérieur du petit sachet, là, on a plein, plein, plein de choses. Je pense que je devrais avoir assez. Ne t'inquiète pas, Evelyne. Parce que là, tu m'as super gâtée. Par contre, très printanier. Hein. Tu dois aimer le printemps. Tu as hâte qu'il arrive, c'est ça? Tu es comme moi? Alors, nous avons... Je me rapproche un petit peu. Je bois un coup de café. Je vais attraper comme ça. Oh, un joli petit papillon. Donc, un sticker sans 3D. Pareil, je vais les ranger au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Donc là, on a des petites fleurs comme ceci. Donc, comme il y en a plusieurs, je vais les mettre de côté. Je les rangerai après. On a les mêmes demi-perles pratiquement que... Mais vous les avez où, vos demi-perles, là? Elles sont magnifiques. J'adore. Je ne sais pas où vous les avez eues, mais elles sont magnifiques. Faut le dire. Elles sont carrément magnifiques.
J'adore, j'adore. Bon, celle-là ne veut pas venir. Si, ça y est. J'ai plus d'ongles, je les ai tous cassés. Alors, ouais. On a une petite fleur là, une autre petite fleur là. On a un très joli trombone en forme d'enveloppe. J'aime beaucoup. Elle a pensé au feuillage pour aller avec les fleurs. Donc voilà. Je pense que là, je vous ai montré tous les feuillages. C'est trop beau. Ensuite, hop, donc j'ai d'autres petites fleurs comme ceci. Voilà. Alors ça, je les connais. Je les ai déjà vues chez nous. On a un autre petit papillon. Mais cette fois-ci, pas dans les mêmes couleurs. On a une belle cage à oiseaux. Elle a même ancré les bords et tout ça. Trop bien. Du ruban organza dans les tons un peu bleu clair. Super joli. Qui brille. Ensuite, j'ai des petites étiquettes. Voilà, je vais les mettre là en attendant. On a ici une autre petite étiquette. Ah, bah voilà. Hop, la demi-perle. On a des petits cœurs. Comme ceci. Alors, soit blanc, soit imprimé à l'arrière. Elle m'a tamponné des petits feuillages. Oh, de la twin verte. En plus, je crois que j'en ai pas de la twin verte. Trop jolie. Ensuite, elle m'a mis un morceau de stickers pour faire une bordure. Oh, elle a même mis les... Trop forte, Evelyne. Tu as pensé à mettre même du 3D. Donc, elle m'a mis des petits carrés de 3D. On a jour et... Jour heureux, ces instants de bonheur. Un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Donc, un autre morceau pour faire une bordure. Une petite pancarte avec plein de cœurs. La base de l'ATC. Et je pense que c'est la feuille pour faire le fond de l'ATC. Oui, c'est ça. On a deux feuilles pour faire le fond de l'ATC. Donc, c'est super gentil. Oups. Voilà. Et donc, je vais re-ranger. Donc, on avait le petit nœud, les fleurs, les petites étiquettes, les cœurs, la petite flèche et les demi-perles. Je vais essayer de les ranger. Hop. 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 Je fais ça bien. Vous avez vu ça ou quoi? Donc, je te remercie beaucoup, Evelyne. Pareil, tu ne t'inquiètes pas, ça va arriver prochainement. C'est promis. Oh, j'ai loupé un bout. Je m'en occupe très, très, très vite. Voilà. Hop, ça. Enfin, je vais essayer tout du moins. Je vais essayer. Ah oui, il faut que je répare ma petite épingle aussi. Ensuite, j'ai un courrier qui me vient de Nathalie F. Je crois que vous êtes plusieurs Nathalie. Bon, par contre, je suis obligée de sortir les ciseaux parce que sinon, je ne peux pas ouvrir. Hop. Comme j'ai peur de faire une bêtise, on va y aller doucement. Non, c'est bon. Hop. Hop, voilà. Oh, une jolie carte de bonne année avec un petit cerf. C'est tout mignon. Ah, c'est Nathalie Praline. Mais oui, je le reconnais, le petit cerf. Elle avait fait une vidéo sur ce petit cerf. Donc voilà. Merci beaucoup Nathalie. C'est adorable. Ensuite, j'ai un courrier qui me vient de Clarinette. Alors, Clarinette. Oups, Clarinette. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Clarinette? Hop. Oh, une jolie carte de bonne année également. Oh, je reconnais ça. Je reconnais. C'est du action. C'est dans les kits. Oh là, il y avait des petites... Oh, il y a des ATC. Merci, gentil, Clarinette. Merci beaucoup. Alors, on a Wintertime. J'adore tes petits ours. Alors, hiver merveilleux. La 2 sur 3. Oui, oui, oui. Je suis en retard pour certains anniversaires, d'ailleurs. Je suis en train de penser... Avec des drops transparents ici. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Ah bah oui, même sur les papates. Les papates et les yeux. Et ici, on a I Love You avec les petits renards. Et c'est Hiver merveilleux sous les bois, une sur une. Oh, je suis toute seule à la voir. Trop bien.
Impeccable, je te remercie beaucoup, Clarinette. C'est adorable de ta part. Merci. Et c'est pas fini, ils en ont encore à ouvrir. Là, j'ai de Nicole. Alors, Nicole. Non, sur une Alors, je vous montre une très très belle enveloppe, regardez, avec plein de. Comment ça s'appelle? Une feuille en fait. Mais elle brille, elle a mis du brillant dedans, etc. Non, franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, l'enveloppe. Alors. Hop. Bon, les filles, ne désespérez pas, il en reste plus que deux après. Hein. Hop. Oula. Qu'avons-nous? Une surprise juste pour toi. Oh, c'est gentil, ça. Une surprise juste pour moi. Oh. Alors, c'est un échange d'ATH que je n'ai toujours pas fait non plus. Je suis en retard, les filles. Je suis en retard. Donc, on a un très, très bel ATH. Donc, ça, il faut que je le prenne en photo tout à l'heure. Hop, ça. Hop, ça. Donc, un très, très bel ATH. Donc, avec un papillon. Donc, il faut que je refasse ces petites ailes-là. Voilà, parce que forcément, dans le courrier, ça s'aplatit. Hein. On passe toutes par là. Voilà. C'est plus joli comme ça, non? Voilà, voilà. Donc, je trouve ça super joli. C'est magnifique. Puis, alors, la déco, là, super sympa. Mais l'échange, c'était la TH. C'était pas tout ça. Hein. Puis moi, je suis en retard, en plus. Non, je vais m'y mettre bientôt, là. J'ai fini le premier échange, déjà, que je devais. Donc, c'est nickel. Il ne reste plus que les suivants. Alors, que m'as-tu mis de joli? Oh, une jolie fleur. Donc là, c'est pareil, les pétales, en fait. On peut les... Hop. Ils ressortent. Alors, comme j'ai plus d'ongles, c'est pas pratique. Voilà. Vous voyez? En fait, on peut les mettre en 3D. Voilà. Vous voyez? C'est super joli. Ensuite, on a un petit nœud. Donc là, c'est pareil, il suffit de former le nœud et on a un joli nœud dans les tons roses avec des petits cœurs. On a un superbe signe. Alors ça, en plus, j'en ai pas. C'est super mignon. Oh, ça, c'est des petites pochettes. Ah, c'est terrible. Donc là, on a une petite pochette en plus. Alors, on a les plis qui sont déjà faits. Hein. On a juste à prendre la feuille, à la plier. Voilà. Et on a une jolie petite enveloppe. Avec une superbe découpe en haut, là. Elle est magnifique. Voilà. Donc, moi, j'ai pas formé l'enveloppe entièrement, mais voilà ce que ça donne. C'est super joli. Hein. C'est super joli. Donc, elle m'en a fait en deux. Voilà. Donc, j'en ai deux. Voilà. Ensuite, ben là, je sais pas trop. Va falloir que je regarde ça. Parce qu'apparemment, ça se plie là, d'accord. Donc, si ça se plie là et que ça se plie là, il doit y avoir une astuce. Ça doit bien se mettre, je ne sais pas. Ça comme ça et ça comme ça, non? Oui. Ah oui, ça doit faire un truc comme ça, en fait. Voilà. C'est super joli. J'aime bien la découpe. J'aime bien la découpe. Hop. Ensuite, on a une autre boîte. Alors, elle n'est même pas faite pareil encore. Alors là, il y a une petite... Hop, ça s'enlève. Alors, je prends le temps de regarder avec vous. Hein. Tant pis pour vous. Je profite que je peux encore. Voilà. Ici, pareil, il y en a un petit truc là. Voilà. Donc là, ça doit être une petite enveloppe. Alors, une petite enveloppe. Si j'ai bien vu, ça se plie là. Ça se plie ici. Voilà, et ça doit se refermer ici. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas fait les côtés, hein, mais c'est pareil, ça fait une très très belle enveloppe. Voilà, voilà. Donc, je te remercie beaucoup et tu ne t'inquiètes pas, ça va bientôt partir. Voilà, je m'en occupe au plus vite. Hop. Ensuite, un courrier de Virginie. Alors, Virginie, que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait? Parce que je ne crois pas que j'avais un échange, là. Hein. Déconnez pas, les filles, hein. Je suis pas sûre de retard que ça quand même. Alors. Hop. Hop.
Oh là, oh c'est joli. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli. Oh c'est checker. Oh j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je kiffe. Je sais pas quel tuto c'est, mais je kiffe. J'adore. Ah ouais. Ouais, j'adore. Ça y est. Il m'en faut pas grand-chose. Et à l'intérieur, on a la carte. Mais j'adore. Ah, je kiffe. Ah bah restez sur mon bureau. Ah, c'est sûr. J'adore. Alors, pensée affectueuse. Oh, un Hello Kitty. Un petit envoi tout à midi. Ah, bah c'est 26 scraps. Bah, j'ai loupé. Ah bah non, j'ai loupé le tuto. Faut que j'aille voir ça. Bérangère, faut que j'aille voir ça. J'ai loupé un de tes tutos. Mais j'adore. J'adore. Et donc, on a concentré d'amitié. Donc, t'as Hello Kitty, la 6 sur 6. Trop mignonne. Et là, on a la Hello Kitty, 5 sur 6. Voilà. C'est trop mignon. C'est trop chou. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, puis la pochette, là, j'adore. Je pense qu'elle va rester là sur le bureau. Oui, je pense. Alors là, c'est pareil, c'est un courrier anonyme. Je ne sais pas qui c'est. Donc, on va voir ça ensemble. C'est le petit dernier. Et de qui cela peut-il venir? Oh, bah. Alors déjà que l'enveloppe est abîmée, mais... Oh! Amitié, donc c'est dans les tons bleus avec des petites... Elles sont jolies les petites fleurs là. Des petits cœurs. Et je vais voir qui c'est du coup. D'accord. Alors c'est pas la touffe, ma jumelle. C'est Natacha Scrap. Non, mais t'inquiète. Il fallait pas me répondre, il n'y avait pas de souci, Natacha, tu sais bien. Donc Natacha l'épouvantail. Donc on a Natacha la touffe et Natacha l'épouvantail. Trop fort. En tout cas, j'adore. C'est super mignon. J'adore ton fond. Il est magnifique. Donc voilà, hein, une très très jolie carte de Natacha Scrap. Donc les filles, je vous remercie toutes du fond du cœur. C'est super adorable. Je vérifie que j'en ai pas oublié une dans le coin. Parce que alors en ce moment, non, c'est bon. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore mille fois. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.